Epic Games sont connus pour être super stricts quand on enfreint leurs règles. Si vous enfreignez une simple règle, vous pourriez être ban pour toujours. Mais moi j'ai enfreint 12 règles jusqu'à ce que Epic Games abandonne car j'étais impossible à bannir. Règle numéro 1, faire équipe avec l'ennemi. Je viens d'atterrir, maintenant je dois absolument trouver quelqu'un pour faire équipe avec. Me tue pas, je suis gentil. Oh regardez les gars, ils dansent, c'est bon. On s'est trouvé un ami. Je pense que lui, il accepte de faire ami-ami avec moi juste parce que j'ai une goule rose. Hein. Ok, il y a un mec devant nous. On doit l'éclater. Bien joué. On a déjà fait notre premier kill à deux. Là, c'est parfait, les mecs. Hein. On enfreint parfaitement la première règle de Fortnite. Hein. On part avec le poteau en zone. Ah là là, j'adore faire team-up quand je joue en solo. Hein. C'est un vrai plaisir. Et surtout, on a deux fois plus de chances de faire top 1. Et surtout, 10 fois plus de chances de se faire ban. Car n'oubliez pas, les potes, si je me fais ban en enfreignant toutes ces règles, je pourrais vraiment dire adieu à mon compte Fortnite de 2017. Il y a un mec devant nous. J'espère que t'es prêt. Il y a un mec devant nous. Il y a un mec devant nous. Mon pote, il est parti le rush direct. Non, mon ami, il peut pas mourir. Ok, on l'a tué, on l'a tué, on l'a tué. GG mon gars, on vient de faire notre deuxième kill. Et regardez, il danse comme moi. Ok, la grosse tête. Oh là là, mon level au sniper. Incroyable. Il est où mon ami, je l'ai perdu. Oh non, regardez les gars, il est devant moi. J'ai cru vraiment qu'il était mort. Oh là là, je suis tellement rassuré, je suis trop content. En place, ça dégage. Retour lobby. J'ai déjà 5 kills faits avec mon meilleur ami. Hein. C'est vraiment le meilleur, les gars, ces joueurs. Hein. Je l'aime trop. En place, ça dégage, Yanis. Quoi? Mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Vous avez été expulsé parce que vous avez fait équipe dans un mode qui est interdit. Merci de respecter les règles de Fortnite. Oh là là, ça commence vraiment mal. Je sais pas comment je vais faire pour enfreindre plein d'autres règles sans me faire ban. Règle numéro 2, stream hack. Ok, le chat, on va aller directement à Greasy Groove. L'objectif, de monter champion le plus rapidement possible, un tout nouveau compte. Je viens de sauter car le streamer qu'on stream hack va à Greasy Groove. On va prendre de la hauteur, on va prendre des infos. Ok, je viens de voir le streamer, il vient de placer des murs juste ici. Il y a un mec sur moi. On va prendre la hauteur. Mais les mecs, vous inquiétez pas, avant de le tuer, on va un peu jouer avec lui. Vous allez voir ce qu'on va faire. Comme on a une goule rose, bah vous connaissez, on va pouvoir faire ami-ami avec lui. Me tue pas mon pote, je vais être gentil avec toi. Goule rose ou pas le goule rose, je vais déchirer. Me tue pas mec, je suis gentil. Je vais faire ami. Ami, regarde, j'ai une belle goule rose. Allez, suis-moi, on va faire un truc. Ouais, je veux que je le suive. Ok, parfait, il me suit. Tac, tac. Tac, et là s'il a compris, normalement il sait que je vais le 1v1. Il veut faire un BF le fou. Mais il sait pas du tout que je vais le détruire en moins de 4 secondes. Allez, j'espère que le streamer est prêt. 3, 2, 1, go, let's go. Pour le moment j'ai la hauteur, ça va bien. Je mate. Ok, crac, il a un HP. On doit le défoncer. Mais niquez la gueule, je prends ma PM. Les gars, il s'est caché derrière le buisson. En place, ça dégage. Je crois pas que t'allais me tuer, mon pote. Le stream hack du streamer est parfaitement validé. Ouais, vas-y, bah vas-y, danse. C'est toujours la même chose. À chaque fois, il y a un mec qui me stream hack. Toujours la même chose. Vas-y, toi, je vais signaler mon triche, hop, anonyme, et hop. Je lui dis, je t'ai éclaté en te streamhackant. Mais pourquoi c'est moi ta cible alors qu'il y a plein d'autres streamers en live? T'es trop nul mais me signale pas. Ah t'inquiète même pas, ça c'est déjà fait et je vais encore signaler 5 fois. Règle numéro 4, tuer son coéquipier. Salut monsieur Jules, ça va? Ça va et toi Sup? Ouais ça va super, mais en fait, pourquoi t'es niveau 1? T'inquiète, c'est pas grave, je suis un des meilleurs joueurs français. Ok, j'ai hâte de voir ça. On va spawn à Shinisund. Y'a un mec devant moi. Ok, déjà un mort. Suis-moi, son coéquipier il est juste devant nous. Mais tu fais quoi? Voilà, à cause de toi, je suis mort. T'es tombé dans mon piège, mon pote. Tu t'es fait avoir. T'attends quoi pour me réanimer? Vas-y, réanime-moi. Non, je vais pas te réanimer. Fallait pas se faire piéger comme ça. Mais tu vas faire quoi de moi? Bah rien, tu vas juste mourir par ma faute. Arrête de troll, réanime-moi. Hop là, ça dégage. Eh non, j'ai pas pu te réanimer. Et ta carte, est-ce que je vais la prendre? En fait, non, j'ai pas très envie. Je pars vers d'autres horizons. Bon, les mecs, on a bien enfreint cette règle. Maintenant, on va passer à la prochaine. L'usurpation d'identité. Ne vous faites pas passer pour d'autres joueurs, streamers, célébrités. Il est interdit de prétendre être quelqu'un d'autre afin de tromper ou d'escroquer les autres. Et comme j'ai le nom InoxTag et un de ses skins préférés, il est l'heure d'enfreindre cette nouvelle règle. Allô, c'est vrai InoxTag? Ah ouais, c'est lui, il a même pseudo. Il croit vraiment que je suis le vrai? Ma technique, elle commence super bien. Est-ce que tu peux activer ton micro InoxTag, s'il te plaît? Non, ça je peux pas, sinon je vais être exposé. Ça va InoxTag? T'as passé une bonne journée?
Mais pourquoi il parle pas? Inoxtag. Ok, je viens d'atterrir et comme là il croit à 100% que je suis le vrai Inoxtag, je vais préparer un plan pour l'escroquer. Oh Inoxtag, je suis vraiment trop content de jouer avec toi. Oh, il m'a répondu avec son corps. Tu m'entends vraiment Inoxtag? On va lui faire oui. Oh putain, le vrai Inoxtag, il m'entend vraiment. Inoxtag, viens s'il te plaît, j'ai une question à te poser. Ok, je l'écoute. Danse si tu veux bien m'ajouter un ami. Ok, bah les gars, on va danser parce que j'ai hâte de voir sa réaction. Oh non, je suis trop content. Le vrai Inoxtag, il va m'ajouter un ami. Inoxtag, accepte ma demande, s'il te plaît. Accepte ma demande, s'il te plaît, Inoxtag. Ok, on accepte maintenant. On l'a en ami. Oh putain, j'y crois pas. Merci, j'ai vraiment Inoxtag en ami. Inoxtag, est-ce que si je fais 5 kills, tu mets ton micro? On va lui faire oui, bien évidemment, parce qu'on est très gentil. Oh, il m'a dit oui. Allez, viens, on va tous les éclater. Ok, je le suis. Les gars, en vrai, mon coéquipier, il a une arme qui m'intéresse vraiment et j'aimerais vraiment la voir. Comme ça, je vais pouvoir l'escroquer. Du coup, je vais l'appeler. Écoute-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a, Inoxtag? Je veux mon arme? Oui, je la veux, s'il te plaît. Tiens, je te la donne. Oh là là, let's go! En prétendant être Inoxtag, j'arrive à escroquer des armes aux gens avec qui je tombe en duo. Et là, regardez, il repart tranquillement, rush des gens. Mais ce qui sait pas, c'est que je vais me démute maintenant. Allô, mon pote! Oh, Inoxtag, tu parles? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis pas Inoxtag! Je suis un imposteur! Et je t'ai arnaqué ton levier légendaire! Mais t'es sérieux, mec? Ouais, je suis à 100% sérieux! En tout cas, merci infiniment et au revoir! T'es mort! Je vais te signaler pour usurpation d'identité! Ok, let's go! Ça fait un signalement en plus! Bon, pour la règle numéro 7, c'est le moment de prendre un énorme risque en utilisant un hack. J'ai ce skin invisible que vous voyez et je vais l'utiliser en jeu. Salut, Tim Tim! Salut! Suis-moi! Pourquoi ta pioche, elle flotte dans les airs? Quoi? Non, elle flotte pas, c'est pas possible! Ça doit sûrement être un bug. Ok, j'espère que t'es chaud. Par contre, là, je bug beaucoup. Bah, moi aussi, je bug, c'est un peu bizarre. Allez, suis-moi, si tu veux qu'on fasse top 1, on va aller à Chrome Jam. Pourquoi je vois seulement ton nom dans les airs? C'est trop bizarre. Et là, regarde, je vois que ton planeur. Bah, je sais pas, moi aussi, je t'avais dit que je buguais beaucoup. Ah, je suis en train de me régaler en buvant une grosse popo. Quoi? Mais c'est pas possible! Mais si, c'est possible. Allez, maintenant, je te splash. Toi, tu me caches un truc, ça se voit. Mais Tim Tim, je te cache rien, à moins que si je te cache un petit truc. Est-ce que t'as envie que je te dise mon secret? Oui. Bah, la vérité, c'est que j'utilise un hack et que là, je suis vraiment invisible et que personne ne me voit dans toute la game. Mais t'es fou! Bah non, et pour être totalement invisible, j'ai juste à danser. Alors, là, tu vois quoi de mon skin? Rien. Ok, hop là, GG, on vient de faire 2 kills, mon pote. Mais c'est de la triche, en fait, ce que tu fais, les gens, ils peuvent pas te tuer. Bah ouais, c'est ça d'être invisible sur Fortnite. Je suis malade de jouer avec toi, je risque de me faire ban. Mais non, t'inquiète, mon pote, tu risques rien. Y'a que moi qui risque d'être ban à vie de Fortnite, mais ça, c'est pas ton problème. Non, je suis désolé, je quitte. Oh non, il a vraiment quitté. Oh là 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 là, mon coéquipier a eu peur de se faire ban comme il est tombé en duo avec un mec qui est invisible. Mais en tout cas, Edith, quand on est invisible, c'est vraiment incroyable. Hein. Les escroqueries et les pratiques frauduleuses sont interdites. Donc je vais donner un faux code de 5000 V-Bucks à mon ami. Je suis sur Discord et je lui demande s'il veut des V-Bucks gratuits pour voir ce qu'il dit. Oui, s'il te plaît. Ok, je suis en train de l'appeler. Salut Kiki, j'ai 5000 V-Bucks sur moi. Quoi, vraiment? Tu peux me les donner? Est-ce que t'es abonné à la chaîne de Supugo? Je suis pas abonné en ce moment, mais je peux le faire maintenant pour les V-Bucks. Vas-y, fais ça maintenant. Ok, ça marche. Hop là, Supugo. Et voilà, je viens de cliquer sur le bouton s'abonner. Ok, parfait, tu t'es abonné, maintenant je peux t'envoyer le code. Ok, regardons si ça marche. Je clique sur suivant. Ce code semble invalide. Supugo, je sais que tu m'as arnaqué pour que je m'abonne. Maintenant je quitte l'appel et je viens de gagner un abonné gratuitement. Salut mec. Salut. Ouais, j'étais trop chaud, comment tu fais ça? T'inquiète mon gars, c'est le talent, montre-moi comment tu construis. Oh, pas mal, j'aime beaucoup ce que je vois. Suis-moi, je vais te montrer un truc. Est-ce que t'as un tricheur qui utilise macro? Non, pas du tout mon pote, je suis juste l'éditeur le plus rapide de France. Regarde ça, est-ce que tu kiffes mon gars? Non, mais j'ai raison, tu utilises vraiment une macro. Mais non, c'est pas vrai. Je t'ai signalé, tu triches. Non, me signale pas, je triche pas. Je t'ai déjà dit mon gars, regarde, je suis l'éditeur le plus rapide de France. Et là, je suis actuellement avec un mur invisible. Wow. On peut voir à travers en plus. Bah ouais, logique. Si Zeros gagne ce 1v1, il remporte 100 euros. Oh là là, ça va être les 100 euros les plus faciles à gagner de ma vie. Il le sait pas, mais là, il y a un bouton secret où je vais activer mon aimbot pour tricher lors de ce 1v1. Hop là, j'appuie sur carré. Et là, c'est bon, on voit que mon aimbot est activé. Allez, hop là, on commence à le spam. Comment tu fais pour casser mes constructions aussi vite? Bah, je sais pas, j'ai juste un très bon shoot. On continue à le laser, moins 122.
En plein dégage, coup de pioche et j'ai gagné. Mais c'est pas possible, t'es un tricheur. Bon, après avoir été signalé plusieurs fois et avoir enfreint presque toutes les règles, je vais m'attaquer à l'employé d'Epic Games, Donald Mustard, en lui disant de réparer son jeu que j'ai envoyé 100 fois. Maintenant, il est l'heure d'enfreindre la dernière règle, la règle numéro 12, faire crasher tous les serveurs de Fortnite. Ok, je suis à la dernière étape, il me reste plus qu'à casser les réserves d'essence. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Oh, je suis dans les lanceurs! J'ai réussi à faire crash les serveurs!